Je suis habillée par la billeuse boutique. La billeuse boutique de chez FDL. Je suis habillée par la billeuse boutique de chez FDL. Si ça vous plaît, je vais te répondre, Rora. Ma bonne n'est pas là de pipi à vous ne m'a fournié. Pipi me bime nous et là, je n'ai pas peur de toi, j'assume, Rora. Je te réponds, je te dis que tu vas revenir dans le clash. Tu vas revenir dans le clash. Parce que tu as la mémoire courte. Aujourd'hui, tu veux te faire intéressant. Tu es arrivé comment sur Facebook, maman? Donne-moi celle-là. Tu es arrivé comment sur Facebook? Tu es arrivé comment sur Facebook? Tu as la mémoire courte? Je te réponds. Hora. Partagez, les amis. Amusons-nous un peu, c'est samedi. On s'amuse. On est à la maison, on est chez soi. On est à la maison, on est chez soi. Donc, l'habilleuse boutique de chez FDL, elle m'habille. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. Elle m'habille. Je dis que j'ai alors beauté sur la boule. J'ai alors beauté sur la fourmilière. Oh, pac! Maman, ça sort de partout. Linguini Fabrice, bonjour. Un follower. Bonjour Fabrice, bonjour. Bonjour tout le monde. Casey, Gabi, bonjour. Bonjour. Donc, on va faire ça. On va d'abord écouter le live. Le live. Tu dis que tu ne me réponds pas, tu me parles. Moi, je dis, hein, moi, je ne fais pas dans le bac-bac. J'assume, je te prononce et je t'insulte. Les yeux dans les yeux. Je ne fais pas dans le bac-bac. Oh, on dit que machin, machin. Tu me peux? Et bois les lambalones, pipitologue. Tu me peux? Tu peux péter? Tu as vu les vidéos? Tu as vu les vidéos? Ta publication? Tu peux péter? Une femme peut avoir la nuit ouverte comme ça? Adama. Adama. On peut avoir la nuit ouverte comme ça? Adama. Adama, la nuit, le trou de ça, le trou de ça sur les photos de ta publication, le trou de ça, tu peux péter. Pipi, pète, pète en voix, pète, une femme qui a le cul ouvert, le vagin ouvert, tu viens me parler. Moi, au moins, on peut dire que si un jour, ça m'arrive, je dis bien si un jour, parce que les femmes, parfois, qui ont beaucoup accouché, peuvent avoir des incontinences urinaire, c'est vrai, c'est médicalement connu. Mais toi, même pas un oiseau, tu n'as pas. Mais tu as le cul, mais alors le cul, ton trou de balle sur les photos. Tes photos qu'on a publiées là. Voilà, ton trou de balle est comme ça. Le trou de balle est plus ouvert que le vagin, vous avez vu ça, ou Adama. Adama, on peut faire ça. Adama, une femme peut avoir le cul ouvert comme ça. Adama. Adama. Une femme peut avoir le cul ouvert comme ça. Adama. Tu viens parler à qui? Tu penses que tu peux me dénigrer? Non, non. Facebook à part, pipi. Toi, tu te donnes les honneurs derrière ton feu père. Je suis la fille du commissaire pisseur. Moi, je ne suis la fille de personne. Je suis même une bonne villageoise. Mais j'ai réussi. Hoa. Mon parcours est digne et louable. Hoa. Mon parcours est digne et louable. Hoa. Tout parent, je dis bien que tout parent peut être content de son enfant s'il a un parcours comme le mien. Oui, tu quittes des bas-fonds, tu arrives en Europe. Peu importe que je sois en campagne ou en ville, c'est la France. C'est la France. J'ai une poste, j'ai les impôts. C'est la France. Je suis en France. T'as compris? Je ne suis pas en location. Je suis chez moi, payé.
Je dis bien que je n'ai pas de crédit sur cette maison. Je peux partir au Cameroun, je tape même 10 ans. Je tape 10 ans au Cameroun. Je ferme ma porte. Je prends l'avion. Je pars au Cameroun, je tape 10 ans. Je ne paye rien. Les Blancs vont dire qu'elle va revenir. Elle a son pied à terre. Elle va vendre, elle va nous rembourser. Yo, tu entends avec quoi? Tu peux te... tu crois que moi je tiens un langage ordurier comme le tien? Hein? S'il vous plaît, partagez. Partagez, vous n'êtes pas encore assez nombreux là. Élise battante et habillée par le circus FDL. FDL chez la Bieuse boutique ceinture. Donc n'hésitez pas à y faire un tour. Elle a ouvert la boutique à Creil. Donc n'hésitez pas à aller y faire un tour. Habillée. Les habilleuses de luxe. Pipi, regarde, j'ai la fesse. J'ai la fesse en tant que femme. Tu as vu une femme de 6 enfants. Tu fais le force pour être belle à ton âge. Tu as vu 6 enfants. On peut me juger avec toi. On peut me juger avec toi. 6 enfants. Là, on peut dire que voilà une belle femme. Je n'ai pas besoin de me décaper la peau pour être comme Michael Jackson. Je n'ai pas besoin de me décaper la peau pour être comme Michael Jackson pour dire que je suis belle. Je suis naturellement belle. Je suis une vraie Africaine. Oui, une vraie Africaine qu'on peut encore juger après 6 accouchements. 6. 6. Et tout récemment. Tu as vu, il y a beaucoup de femmes qui peuvent se vanter d'avoir cette allure. Mon bébé a 2 mois. Il y a beaucoup de femmes qui peuvent se vanter d'avoir cette allure après 2 mois de grossesse. Hein, mamie? Tu as vu? Je suis habillée par l'habilleuse des stars. L'habilleuse boutique de chez du cursus, cursusal FDL. L'habilleuse boutique, c'est de ça qu'il s'agit. L'habilleuse des stars. Et ça et ça chauffe pas. Elle m'habille. Oui, et ça chauffe pas. Je suis belle. Je suis belle. Pas belle dans le décapage. Pas belle dans le faux. C'est comme ça. Mais je suis belle. Parce que je suis africaine. Une belle peau black. Satinée. Regarde. T'as vu les seins d'une femme qui allaite? Tu as vu les seins d'une femme qui allaite son bébé? Regarde. Ma peau est satinée. Naturelle. Naturelle. Ce n'est pas comme quand on te lèche. Là, on est obligé de gratter sa langue. Bim, nous, et pipi, wanya. Comme ça. Tu me peux? Je t'ai dit que tu ne me fais pas peur. Tu ne me fais pas peur. Parce que si on regarde mon cursus Poumbin et ton cursus Poumbin, franchement, s'il vous plaît, arrêtons la démagogie. Arrêtons la démagogie. Un parent va dire que je préfère que ma fille ait fait un parcours comme Élise Battante, que ma fille ait fait un parcours comme Pipitolo. Tu as beau ça, j'ai pris Air France, 10 ans à l'appui. Et je te dis qu'avant de venir m'installer à Mbeng, j'étais déjà venu au moins 4 fois, aller-retour, 4 fois. On m'a piégé, mon ex-mari m'a piégé pour que je reste ici. Parce que je suis une mère d'enfant. Parce que je ne voulais même pas venir rester ici. Toi, tu as beau ça, de pays en pays, à te faire enculer partout, à te faire... Tu peux... On se ressemble. Laissons ça. Tu as peut-être 1000 vues, hein. J'ai mes 200 vues. Mais je te dépasse. Aller-retour. Et ça chauffe pas. Les gens réfléchissent, savent que je te dépasse. Tu as plus de 20 ans d'Europe. Tu crânes avec un lotissement qui n'est pas le tien. Hein? Tu crânes avec un lotissement. Habillé par la billeuse boutique, s'il vous plaît, les amis. Les femmes chics. Les femmes glamour. Les femmes chic, les femmes glamour, allez-y faire un tour. C'est un succursal, si on dit ça comme ça, des produits FDL. Donc, faites-vous plaisir, allez-y là-bas. On va écouter Pipitolo.
Les gens qui disent qu'elle ne te répond même pas, elle ne te calcule même pas, elle me calcule même très bien. Elle est bien abonnée à ma page. Moi, je n'ai pas besoin de créer un faux profil pour aller insulter les gens. Non. C'est ici sur ma page que je gère mes dossiers. Vous avez compris? Je gère mes dossiers ici sur ma page et nulle part ailleurs. Pipi, tu n'es rien. Maloro, je te dépasse et je suis ta petite soeur. Tu es une vieille femme. Enlève ta poudre. Enlève ta poudre. On voit à quoi tu ressembles. Enlevons challenge. On t'a déjà donné ce challenge-là. Enlevons les perruques. Enlevons les perruques. Challenge, enlevons les perruques. Le bilan, on y a comme ça. En 12, et là, il y a un colou salamba. Et là, il y a un colou salamba. On y a comme ça. Hein? On va l'écouter. Tu me peux? Tu crois que tu es même qui mouffe? Tu crois que tu peux me faire peur? On m'appelle, on dit que... Moi au moins, Pipi, à la différence de toi, je ne panique pas pour payer le loyer. Je ne supplie pas un homme pour venir. Tu es dans le... Aide-moi à payer le loyer en ben. Je dis, j'assume, je tape sur ma poitrine. Tu es dans le aide-moi à payer le loyer en Bengue. Moi, je suis chez moi. Je dis que je ferme ici, je pars au Cameroun 10 ans, je reviens. Je ne paye même aucune facture, je pars. Bye. Merci de mettre les têtes de mort. Merci, merde. Aïe, j'ai peut-être bloqué une de mes... Merci de mettre les têtes de mort. Pardon, j'ai bloqué quelqu'un là. J'ai peut-être bloqué quelqu'un. J'ai peut-être bloqué une de mes followers. Pardon, mettez les têtes de mort. Comme d'habitude, vous savez, comme d'habitude, vous mettez la tête de mort et on s'en occupe. Vous mettez juste la tête de mort et on s'en occupe. Voilà son direct. On a dit que tu ne pouvais pas me répondre, que tu ne me réponds pas. Non. Tu me réponds, Napia. Je dis ça, oh. Vous êtes sûr que vous êtes normal? Vous êtes sûr que ce n'est pas l'obsession? Vous êtes sûr que vous n'êtes pas obsédé par moi? Maman, je suis obsédée par Pipi. Toi-même, tu n'étais pas obsédé par les autres. Quand tu es arrivé sur Facebook, tu n'étais pas aussi obsédé par les autres. Donc, c'est aujourd'hui que tu dis qu'on est obsédé par toi, mamie. Tu es arrivé comment? C'est votre con. Hein? Je n'ai pas votre permission pour un homme entrer dedans. Regardez-moi les choses. Tu as vu que tu as une binda. Écoutez-la. La bilieuse boutique. Ouais, maman, ça. Si j'arrive au Cameroun, que la chaleur de Yaoundé de doigt me chauffe le côté, j'ai envie de refroidir mon frère. J'ai garde. Je me mets à l'aise. Bruno Malo, bisous. On vous parle au Cameroun. Il n'y a aucun homme qui ne vous drague. Est-ce au Cameroun, sur les Chouara? Elle arrive au Cameroun, c'est arrête qu'il a les balles dans le sang. Pour ta gouverne, Pipi. Pour ta gouverne, j'ai construit à la capitale. La capitale de mon pays. La maison que tu vois quand je suis au Cameroun, là, c'est chez moi. Oui, c'est chez moi. Toi, tu pars au Cameroun, tu loges dans les hôtels. Tu loges dans les logements, les balades, ça s'appelle comment là? Les appartements meublés. Élise descend. Je suis à 5 minutes de Simalène. Quand je dois prendre mon vol du soir pour rentrer en Belgique, je ne panique pas. J'ai le temps de boire au moins 20 bières. Je ne panique pas. Je suis à 5 minutes de Simalène. Toi, tu arrives au Cameroun. Tu entres où, mamie? Tu entres où? C'est chez moi. Une femme digne de ce nom. J'ai construit dans la capitale de mon pays. C'est chez moi. Je ne loge chez personne. Quand j'arrive, quand j'atterris à Simalène, c'est ma voiture et mon chauffeur qui viennent me chercher pour me ramener à la maison. Toi, tu arrives, tu pars où? Tu quittes Mbeng ou tu fais la pute pour aller encore au Cameroun? Fais la pute, racoler les voitures, racoler les logements, racoler. Tu peux te comparer à moi, toi? Attends. On continue. Yann me dit. C'est vrai qu'il faut la Samaya de Bengis. Nous, pour comment faire la Samaya le haut standing. Ah bon?
Hein? Tu sais pas que quand ton père a vu pour mon frère, Lidia, maman, mais là, voilà, il a dépassé 700 000. Maman. En deux heures de temps, pour faire plaisir à sa soeur. Mensonge. Aucun Camerounais au Cameroun, même si c'est un ministre, qui peut dépasser 700 000 francs CFA en deux jours. Je dis que même si c'est un ministre, même si c'est un milliardaire, plus chiche que les gars au pays, je vous dis ça, je sais. Plus chiche que les gars au pays, il n'y a pas. Donc ce que tu fais là, c'est le fuma fuma. Tu vends le rêve. Les Camerounais du pays, les femmes au pays, savent très bien que aucun homme ne peut dépenser, 700 000 francs en une journée. Le fuma fuma. Voilà alors les gens que vous supportez. Les vendeuses de rêves. Un homme sensé qui travaille, qui sait ce que c'est que bosser pour avoir son sou, même s'il est voleur, même s'il est théman, ne peut pas dépenser 700 000 francs en une menteuse, vendeuse de rêves à la jeunesse camerounaise. Vendeuse de rêves. Mouf! Je vais te faire ça. Tu vas me sentir passer. C'est bagaté. On a mangé la vie. Quand il me fait voir comment les gars, c'est marqué, c'est si sur le dos. Je dis que non, je suis une fille de tribu. Quand je sors partout, je passe, je dis que voilà une benguisse. La benguisse m'a porté les gars pour faire le couchard des mamites. Les cheveux de Bob Marley. Elle te parle à la fille du commissaire plusieurs. Ça va pas dans votre cerveau là. Hein? Hein? Voilà, tu vas faire ton commentaire, vous commentez les musées, vous pouvez dire ce que vous voulez, si ça vous regarde là-bas. Des chiennes, depuis ce matin, elles sont en train de gesticuler. Elles se gesticulent. On gesticule parce que tu allais au pays. On a dit que les quartiers de chat, on a dit que ton homme est un homme coquille. C'est un nouveau poteau que vous avez vu sur Facebook. C'est un ancien poteau que vous avez vu. Si vous voyez, réglissez seulement vos yeux avec. Et donnez à vos maris, ça va les aider à se masturber avec toi avant de les vous piner. Parce que vous êtes tellement sales que vos maris ont besoin de films porno, de films X. Pour se branler, pour s'exciter, pour créer, pour allumer un peu leur corps avant de vous piner des mains, vous êtes comme vos consents. Vous ne pouvez pas la filer comme ça, qui sent que ciao. Les dior, qui sent bon jusqu'au point tout. Bye bye. Moi, j'ai le temps de parler de qui t'achète comme vous. Ça, les parents, c'est mélangé d'enfants. Vous avez fait quel milieu enfant, même les chars, vous n'êtes jamais parti. Vous arrêtez dans les ne campagnes. Ne mêlez pas, Flore. Ne mêlez pas, Flore, dans ma guerre avec Pipitolo. Je crois que je l'ai déjà dit plusieurs fois. Ne mêlez pas Flore dans ma guerre avec Pipitologue. Ça n'a rien à voir. Ma relation avec Flore doit rester ma relation avec Flore. Mes combats sur la toile, ce sont mes combats personnels. Ça n'a rien à voir avec Flore. Je dis bien que ça n'a rien... Bloque-moi le numéro qui m'appelle là. Bloque. Mes combats sur la toile me regardent. Il faut qu'on mette bien encore les pendules à l'heure. Je fais la publicité d'une de ces succursales parce que je suis habillée, s'il vous plaît, par l'habilleuse boutique. L'habilleuse boutique, c'est ma consoeur camerounaise. Quand je fais ma pub, on partage. Quand aussi je peux faire la pub, je fais roi. Donc ne venez pas mélanger les choses ici. Je suis Élise Battant. Flore de Lille, c'est la PDG. La number uno de Facebook. Ok? Donc ne pensez pas que quand je veux répondre ou quand je fais mes guéguerres ici, vous prenez Flore, vous mettez dedans. Laissez la fille de Tui tranquille. Elle est en train d'endiabler sa fête où elle est invitée à son mariage. Elle fait ses choses là-bas. Moi, je fais les choses ici chez moi, dans ma campagne, devant ma caméra. Il faut que vous arrêtez ça. Mais ça ne m'empêche pas que si l'habilleuse boutique m'habille, je ne dois pas. Il y a plus de 480 personnes qui me regardent là. C'est le moment ou jamais de faire la pub. C'est du donnant-donnant, du gagnant-gagnant. Si vous ne comprenez pas ça, c'est votre problème, pas le mien. Vous avez compris. Donc, revenons à nos moutons chez Pipi. Le cri des chiens, du bœuf et des chèvres. Bah, 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 bah.
les Champs-Élysées de Reims. Reims ne fait pas partie des plus grandes villes françaises. Quand on parle des grandes villes françaises, on parle de Paris, on parle de Marseille, on parle de Lille, on parle de Nice. On ne parle pas de Reims. Reims, c'est la campagne, ma chérie. Tu habites en campagne comme moi. Reims, personne n'est au courant de Reims. Tu as compris? Si tu me disais encore que tu habitais Paris sur les Champs-Élysées, j'ai dit oui. Ou dans le 16e, oui. Si tu habites même Paris encore que d'approche autour de l'étoile et de l'arc de triomphe, je dis oui. Mais tu es à Reims, le froid qu'il y a là-bas n'a pas de nom, mamie. Le froid de ça. Ah, vous entendez Reims. Allez taper Reims sur Google Verse, vous allez voir Reims. Même chez moi ici, c'est mieux. Reims, c'est le froid. C'est une ville les plus racistes de France. Et là, tu habites où, mamie? Jusqu'à preuve du contraire, je suis chez moi. Chez le blanc, je suis chez moi. Tu parles d'une location, tu me parles fort. Tu es en location, tu me parles fort. Léon. Tu as vu ça? Est-ce que tu as vu ça? Ici, je suis chez moi, je gueule, je crie. Aucun voisin ne tape à ma porte. T'as compris? Aucun voisin ne fait toc, toc, toc. Tu peux péter chez toi. Tu peux péter chez toi. Je pète ici. Tu peux péter chez toi. Si ce n'est pas vrai ce que je dis, pourquoi ça te fait mal? Si ce n'est pas vrai ce que je dis, que tu es allé binder avec le mari de Puyo au Cameroun, pourquoi ça te fait mal? Si ce n'est pas vrai, tu zappes. Tu fais pas attention. Pourquoi ça te fait mal? Ici, je suis chez moi. Je suis vraiment chez moi. Les arbres que je vois, les femmes que je croise m'appellent leurs filles et les enfants leurs frères. Je suis chez moi. Oh, Niao, à pipi. Tu n'es. Mais alors, quand tu dis que oh, Facebook nous mélange. Maman, Facebook nous mélange que quoi? Je te dis que ce n'est pas qu'on dit que propriétaire, qu'il y a le nom du blanc dedans. Hein, parce que j'entends, oh, moi aussi, je suis propriétaire. Non, non, non. Sur cette. Il n'y a que le nom de Bissot Élise, que le mien, signé avec des témoins et le notaire. Tu entends? Je ne suis pas les propriétaires racolés. Qu'on racole ton nom. Ou que tu es venu trouver que quelqu'un avait, tu dis que c'est maintenant, toi aussi tu es propriétaire. Ici là, c'est que moi. Et moi, toute seule. Bissot, Élise. Je montre, faites les captures. Capturez bien. C'est chez moi. Payé. Il n'y a plus de crédit dessus. Je me suis donné les moyens. Va dire que je suis une vendeuse de piment. Va dire que je suis ceci. Mais plus vendeuse de piment sale comme toi. J'ai fait Douala, Paris. J'ai atterri à l'aéroport de Charles de Gaulle. S'il te plaît. Tu as Boza. Tu as marché à pied. Même certaines filles qui ont même Boza, qui sont arrivées derrière toi, qui ont souffert, qui ont nagé, sont plus mieux que toi. Tu as Boza. J'ai fait l'aéroport de Douala. J'ai atterri à Paris, Roissy Charles de Gaulle. S'il te plaît. Il n'y a pas photo. Il n'y a pas comparaison. Tu as marché. Tu as quitté le Cameroun. Pourquoi tu n'as pas fait comme toutes les filles qui étaient à quoi? Pourquoi tu n'as pas fait comme toutes les filles qui étaient à quoi? Pourquoi? La majorité des filles qui étaient à quoi ont trouvé leur ouate qui les ont fait voyager. Toi, tu étais à quoi avec nous? Oh, pipi, va ou faux? Tu parles de ma mère? Tu es malade? Encore mon maman. Ça ne va pas là-dedans pour toi? Ma maman a fait France, que tu vois ici. Ma mère a voyagé deux fois en France. Elle est venue en France deux fois. La deuxième fois, quand elle est rentrée au pays, on a fait ce qu'on lui a fait. Je ne rentre pas dans ces détails-là. Ma mère est venue en France deux fois. Ma maman, ta mère a même déjà vu l'avion. Elle a vu l'avion. Quand vous ne connaissez pas, ne racontez pas. Ma mère est venue en France deux fois. J'ai dit, Jacine. Elle a atterri à l'avion. Deux fois, ma maman. C'est la jalousie du pays qui a fini avec ma mère. Désolée pour toi.
et je rentre pas dans ces détails là. Tu dis que quoi? Tu veux dénigrer qui? Mon mari est légitime. Je ne suis pas dans le viandresse. Je suis légitimement mariée. Je ne suis pas la première femme qui part au Cameroun épouser un homme. Toi, tu pars au Cameroun pour des vacances, les vacances de baise. Moi, je suis partie prendre le mien. Je l'ai ramené. Je ne suis pas sûre que si Fonjala était au pays, Rampe était au pays, tu l'aurais ramené en Bénin. Ce n'est pas donné à toutes les femmes d'avoir les couilles et le charisme de faire venir son gars en Bénin. J'ai fait. Je tire mon chapeau. Légitime. Il n'y a pas de vie, on reste. 10 années de vie, on reste. Non. Donc tes petits pépettes que tu veux comprendre, tu compares quoi? Est-ce que ta vie et la mienne, c'est pareil? La mienne est posée. La mienne de vie, c'est le genre de vie que on peut dire que je préfère que ma fille soit même comme Élise. Tout le monde a des casseroles. Tu parles de vente de piment dans le camion. Toi-même, tu es une première camionneuse, oui ou non? Qui t'amène piner? Qui t'amène faire le camion? Qui t'amène faire le camion? Ce n'est pas ton propre Fondjala qui conduit. On n'a pas fait les captures d'écran de ton camion ici? On n'a pas fait les captures d'écran de ton camion ici? Hein? Aujourd'hui, tu viens me parler que, oh, les filles qui font la pute, plus putassé comme toi, il n'y a pas. Il y a pute et pute, pipi. Tu parles des Champs-Élysées. Les Champs-Élysées, c'est quoi? C'est quoi les Champs-Élysées? Là-moi, les villageoises comme ça, parle des Champs-Élysées. Quand tu m'entends souvent parler de mon parcours, on te dit que je parle de mon parcours en prenant Paris comme exemple. Paris, c'est la poubelle. Paris, c'est la poubelle de Mbeng. De France, c'est Paris. Je ne peux même pas. Les filles qui prennent Paris comme exemple, Paris, c'est la poubelle. Donc tu parles des Champs-Élysées, c'est ton haut niveau là-bas. Maman, la Suisse t'a dépassé. J'ai fait 5 ans en Suisse, et ayant mes papiers suisses. Je n'étais pas clandestin en Suisse. Parce que si moi j'avais été clandestin en Suisse, les femmes camerounaises m'auraient fait ça là-bas dur. J'étais en Suisse avec les papiers à l'appui. Mon permis B. Oh, j'avais mon permis B enregistré sur le territoire suisse. Comme tel. Tu peux te... Mais attends un peu, mais... Ça y est. John D. Et l'ailleurs, tu as vu même tes photos que tu dis qu'on avait publiées là. Revois un peu tes photos là, comme tu as les jambes écartées. Le trou de balle est plus ouvert que le vagin. Ton trou de balle est plus ouvert que le vagin. Tu veux parler à qui? Onza. Il y a comparaison entre toi et moi. Quand je parle de ma vie, je parle de moi. Je ne m'accroche pas à mes parents. Ils ont fait leur possible à moi d'avoir pris ma vie en main. La fille du commissaire prison. Commissaire combien? Pisseur. Alors, toi alors qui avais la chance d'être la fille du commissaire priseur, normalement tu devrais être dans une famille aisée. Ton père, faisons la dictée. Viens t'asseoir ici, on nous fait la dictée. Pas les grosses dictées, on nous fait même Mamadou Ebineta. On va voir qui aura plus de fautes dans sa dictée. Et l'arme bi. Hein? Et l'arme bi. Quel macabre. Ma téléphone. Bloqué ma tête de mort. On était bloqué ma tête de mort. Voilà, s'il te plaît, mon ami. Il y a de la visite. Bloqué. Envoyez les cœurs. Je suis pas dans un national, mais appartement privé. D'accord. Et ma fille a sa chambre. Elle dort pas seule. Ma fille dort seule. Il n'y a pas 5 personnes pour la gérer. Et le jour qu'il y aura 2e, ma fille va chercher 3 chambres. Donc, chacun doit avoir son espace. On va créer la bandelette pour avoir l'argent. Regardez-moi les choses comme ça. Ce n'est pas pour votre vie ce soir. Tu vois, les Lolomaya, vous pleurez. Les Lolomaya, vous pleurez quoi? Tata Lolo n'a jamais envoyé des messages d'amour à un homme. En dehors de papa Fodja. Restez avec ça comme ça. Et vous avez dit, vous que Tata Lolo, oui, chérie, tu me manques. Regardez-moi les tintins. Chérie, vous me manquez avec quoi? Oh chérie, bébé, ça, attends, je vais vous lire les messages là. Peut-être qu'on peut, mais je vais lire ça.
Elles sont placées. Vous pouvez pas la fille comme ça, cousin. Où est-ce que c'est encore au niveau là que papa fera partie? Mon gars là, il est au courant. Papa Fondier là. Michel Nadel, Michel Nadel. Papa Fondier là. Il est grossier. Il va comme ça. Vous voulez qu'il soit mal? Un couple soudé, 11 ans de Djoba. Une fois qu'il porte le nom Maïta, ça va à la mairie, ça vous dit rien. Vous n'avez pas peur de moi. Vous êtes allé ramasser les copains au Cameroun quand vous avez à la mairie. Moi, je ne cours pas pour le mariage. Parce que mon mariage, ce sera le luxe et cela. Ça sera le mariage. Excuse-moi, je suis allée ramasser les cobayes au Paris pour qu'ils m'amènent à la mairie. Je suis à mon troisième mariage. C'est pas donné. Je me suis déjà mariée. C'est le troisième. Tu entends? Donc toi, tu rêves encore de te marier. Moi, Élise, c'est ma troisième fois de passer devant monsieur le maire. Ça veut dire que j'ai la côte. Oui, j'ai la côte. C'est la troisième fois que moi, Élise, je passe devant monsieur le maire. Et cette fois-ci, c'est le bon choix. Ce n'était pas le genre que ma calcul, ma plan. Parce que je peux dire, j'avoue, j'assume, que mes autres mariages, c'était ma calcul, ma plan. Ici, là, c'est le choisi de mon cœur. C'est le choisi, c'est là, c'est ici qui a parlé. Ça a battu fort que poum, poum, poum. Envoyez les cœurs, les amis, envoyez les cœurs. Ça a battu que poum, poum, poum. Et j'ai décidé d'aller à la mairie. Toi, tu rêves encore que le jour que au moins une femme de ton âge doit être au moins divorcée même une fois. Si ça n'a pas marché avec Pierre, il faut que ça marche avec Paul. Celui-ci, c'est le mariage d'amour. C'est mon choisi. Donc ne viens pas parler comme si je n'ai jamais été mariée avant. Je me suis déjà mariée. Oh, j'assume. Ce n'est pas la première fois qu'on m'amène à la mairie. Les phrases de mère là, jurez-vous fidélité de vous aimer, assistance de l'un de l'autre. Oui. Si vous n'étiez pas au courant, je vous informe pourquoi vous vous servez de ça. Je cache pas. J'ai épousé des vrais blancs. Au jour d'aujourd'hui, mon premier mari vit en Suisse. Il est marié à une Camerounaise. Ils ont un enfant, un garçon. Mon premier mari, c'est moi qui lui ai dit que papa, c'est bon, I don't chop, non, Unago, mon premier mari est marié à une Camerounaise, en Suisse, dans la région de Fribourg, mon mari, mon premier, je lui ai dit, même quand il se mettait avec elle, je lui ai dit que pas, une fille sans papier, c'est moi qui l'encourage à épouser la fille là. En Suisse, à Fribourg. Je dis que va. Vas-y. Elle va te faire les enfants. Elle va te faire ceci. Elle va te faire cela. Ils sont ensemble. Mon premier mari. Pour vous dire que même si je me sépare avec un homme, je suis encore la tour de contrôle de sa vie. Je lui ai félicité. Je lui ai dit pas. Il a donné les papiers à cette Camerounaise-là. Une petite petite comme moi. Ils ont un petit garçon. Oui. C'est comme ça. Parce que même si on quitte un homme, il ne faut pas la guerre. Aucun de mes hommes, je l'ai quitté en guerre. Tu entends? Et mon deuxième mari, il est à Besançon. Lui, c'est déjà un korom-korom. Là-bas, je ne peux même pas dire à une fille d'aller perdre son temps là-bas. J'ai chop ce que j'avais à chop. Je lui ai dit que pas. Merci beaucoup. C'est la vie. On a été heureux pendant le temps là. Passe ta route, je continue la mienne. Je veux trouver ma perle rare. Je suis partie. Il est à Besançon, mon premier mari. Un vrai BCBG. Il gagne plus de 6000 euros par an. Par mois, plutôt. Autant pour moi. 6000 euros par mois. J'ai mangé ce que j'avais à manger. Je lui ai dit merci beaucoup. Au revoir. J'ai pris ma route, il a pris sa route. Je ne suis dans aucun litige avec lui. Toi, tu rêves encore que le jour que j'irai à la mairie. Élise est déjà passée 3 fois à la mairie. Pendant que toi, tu rêves que tu vas passer à la mairie. Moi, je suis déjà passée sauter 3 fois. Et je peux te dire que si je me suis calmée, j'assume mes propos. Je vis en France. Si je me suis calmée, c'est parce que j'ai enfin trouvé le mien, celui qui me convient, celui qui me comprend, celui qui m'écoute. Tu entends? Sinon, si ce n'était que ici là,
c'est que je suis au moins à mon cinquième mariage. Parce que je pars où je vois, je chope. Oh, on ne va pas m'interdire et ça chauffe pas. Tu as compris? Tu vis où? Tu vis où? Rampe, rampe, t'as changé ta vie avec quoi? Quand on est avec un homme, ma chère soeur, un homme doit te changer ta vie. Dis-nous en quoi rampe, rampe a changé ta vie. Dis-nous, permis de conduire en Belgique, tu n'as pas. Une voiture en Europe, tu n'as pas. Rien que la base que quand on arrive en Belgique, la base, le premier diplôme de tout Mbenguiste doit minimum être le permis de conduire. Tu n'as rien, tu marches à pied en Europe depuis plus de 20 ans. Tu marches à pied. Tu as quoi? Qu'est-ce que cet homme a changé dans ta vie? Mon papa Fondia, elle n'a même pas honte de se vanter que la seule femme qui porte le nom d'un homme sans être mariée. Maman, si le ridicule ne tue pas. Si le ridicule ne tue pas, on dit quoi? Adama, on peut être ridicule comme ça. Adama. Hein? Et tu te mets sur les réseaux. Tu veux dénigrer? Oui, pour le game. Mais attention, les gens qui nous suivent ne sont pas fous. Les gens qui nous suivent ne sont pas dupes. Tout le monde sur les réseaux sociaux n'est pas imbécile. On voit quand même, on dit que oui, même si on insulte Élise, quand même. Si on, parlons vrai. Élise, quand même, s'est démerdée, hein. Elle s'est quand même démerdée. Il y a photo. Est-ce qu'il y a photo entre toi et moi, Pipi? Il y a photo. Je connais les filles Bamileke qui sont ici à Kemper, à côté de moi. Ta soeur Bamileke. Si tu arrives chez elle, voilà les vraies filles qui ont le sens. Tu arrives, tu te pavanes. Tu rates ta vie. Vous venez déverser votre frustration sur les gens comme moi. Je te dis qu'il y a une fille Bamileke ici, là. Ta soeur Bami. Kemper, arrive chez elle, tu confirmes. Arrive chez elle, une vraie fille bannie. Que voilà alors le genre de femme qu'on peut me comparer à elle. Quand elle me voit, elle dit, oh, ma sister, maman, tu te sens que, hein, elle ne peut pas me jalouser, elle ne peut pas m'envier. Oh, non, mais toi, tu es en location. Ton parcours Poumben est minable. Là, ton arrivée en Ben, minable. Tu te vantes dans un live comment tu allais tromper ton mari si tu as chaud, si tu veux une binda. Ça veut dire que tu n'as même pas un minimum de respect pour l'homme qui t'aide à payer ton loyer. Parce que c'est lui qui paye le loyer. Ce n'est pas toi. Vous n'avez aucune aide. Ta fille est déjà grande. Tu n'as pas d'APL. Vous payez votre loyer plein pot. Moi, je ne paye rien. Je suis déjà chez moi, assise. Oh, avec la participation de mes maris qui ont partagé ma vie. C'est ce qu'on dit qu'une femme est venue se chercher en Europe. Je suis venue me chercher en Europe. Et j'assume. C'est l'argent du Watt que Élise chope. Et c'est l'argent du Watt que j'ai chope. Que celui que ça fait trop mal. Va à la première préfecture. Tu pars avec mon nom, Bissot Élise. Tu pars te porter plainte. Ah ouais, oh. Et ça choque pas. On va continuer. Mal du temps. C'est ça le mal du siècle. C'est ça le mal d'amour. Quand tu vois l'homme est beau, la femme est belle. Tu vas pas voir les gens qui les aiment aux papillons. Ils sont debout, je sais pas que c'est. Aucune élégance, aucune classe, rien. Il y a tout le monde villageois sur eux. Marie, ils ont traversé la Dion. Mon mari n'a aucune élégance, mais il est mon héritier. Mon mari, c'est mon héritier. Tu as compris? Toi, tu vas donner quoi à Rampe-Rampe? Tu vas laisser quoi à Rampe-Rampe? Tu vas léguer quoi à Rampe-Rampe? Mon mari, c'est mon héritier. Voilà alors ce qu'on dit qu'une femme est femme. Toi, tu vas laisser quoi à Rampe-Rampe? Tout le temps que tu lui perds là. Tout le temps que tu perds à Rampe-Rampe,
il sera avec une autre femme qu'il est en train de construire sa vie avec. Toi, tu vas laisser quoi rampe, rampe. Le mien, c'est mon héritier. Oui. Légalement connu ici en Europe. Toi et rampe. Personne ne sait qui est rampe, rampe par rapport à toi. Peut-être que vous avez fait un pax. Hein? Peut-être. Ou comme ça. Tu compares quoi? Est-ce que tu crois qu'un homme préfère être avec une femme comme Élise que d'être avec une femme comme toi? Rien que le ndjansan que tu mets par mois coûte plus de 1000 euros pour te blanchir la peau. Moi, je ne mets rien. Même le mounyenge, je mets. Je ne lui coûte pas cher. Je ne coûte pas cher. Toi, tu coûtes cher. Ton gars, tout son petit maigre salaire, les 1200 euros que tu avais dit qu'il gagne là. Rien que ton ndjansan prend combien dedans? Masaboula, Movat, Caribou, Transparent, Michael Jackson. Regarde-moi. Une digne fille, Bokolo. Digne de ce nom. Zéro Kento. Ah ouais, n'y a rien, mais Kobjam. Tu as vu? Je n'ai pas besoin de me cacher pendant 3 semaines pour bien frotter le propre. Tu frottes, tu frottes, tu frottes, tu frottes. Pour que ça entre bien. Pour après venir faire les vidéos. Regarde-toi. Les femmes cancéreuses, vous trimballez le cancer. Et le jour que vous attrapez le cancer, il faut que l'État français change la loi. Toutes les femmes qui font le ndjansan, là, quand elles attrapent le cancer, l'État ne doit pas tout payer. Eux-mêmes payent de leur poche la moitié et l'État paye l'autre moitié. Mouf, sale chienne. Oh, comme ça. Regarde-moi ton anus. Je ne savais pas que ta photo publiée là. C'est-à-dire que le trou de devant si. Maman, l'anus alors. Le trou de balle de ça. Parle à qui? Parle à qui? Biwobino Kala. Regarde-moi une vieille femme comme ça, là, je suis ton égal. Tu me jalouses. Tu me jalouses parce que tu vois la beauté bio que je suis. Regarde-toi. Djundjou Kalaba. Djundjou. Un chauveur de Bangoula, maman. Un noble dignité, un NDE. L'élégance et la classe appellent papa et maman. Quand mon gars tient le volant, tu as envie de arrêter. Comme ça, comme bina moi-même ici en route. Des chèvres. Le langage de ça. Je vous lis le petit message qu'on a envoyé, qu'on a dit que j'attends le loi envoyer les mots d'amour. Ça se dit classe. Et ça, c'est un langage ordurier. Les mots d'amour. Elle a trompé papa Folga. Quel est le loup qui dit qu'elle est là? Si je suis une fille qui est sollicitée par les autres, c'est parce que je suis belle. Parce que je sais pas ce qu'on va chercher, je suis une femme qui aboie comme l'eau. Wouah, elle boue, qui pisse sur elle, qui écarte. Une femme que tout le monde croit qu'elle a écarté. Elle a je suis, mais les hommes sont là. Elle n'a même pas honte. Posez-vous la question. C'est quoi une gentille? Comme elle écarte. J'attire les hommes. Je les ai embellés. Aucun homme, même les clochards vous refusent. Vous êtes cassés, les femmes, les clochards. Pourquoi un clochard te baise? Il va attendre même quand ses collègues clochards sont couchés, les gars, ils sont pas là. C'est là qu'il est un peu calme, pour te vider en solo, debout, debout, avec vos sales cons, vos peaux crasseuses, vos produits, pendant que les pénolis. Bon, bon, maman, c'est là plus la condition dans le téléphone là. C'est comment? Hey. La honte te tient. Parlons peu, parlons vrai. Tu es obligé de la gamme Nelly Bouti. La gamme de l'heure. Moi, je mets pour moi au frigo. Il y a tout. Des salopes. Elles sont les gesticules. Elle est partie là où les baisers. Et puis, c'est le président. Je ne vais pas jouer. Si tu as envie de jouer, je ne joue pas. Je prends un homme saisonnier. On appelle ça les hommes saisonniers. Hein? Les hommes saisonniers. Écoutez, une femme qui vit avec un homme depuis plus de 10 ans, soi-disant, elle dit que. Elle préfère utiliser les hommes saisonniers. Faire peur au pays, on appelle ça les hommes saisonniers. Elle met sa caméra devant je ne sais pas combien de personnes qui l'a regardé le jour là. Elle vient avouer qu'on appelle ça les hommes saisonniers. Et soi-disant, son gars est à côté. Son gars est à côté en train d'écouter ce que Sanga dit que oui, quand je pars au Cameroun, je m'binda. On appelle ça les hommes saisonniers. Mamie, tu ne peux pas fermer tes cuisses, c'est obligé, ma, ça gratte. Il va faire aussi ça, ça me canne. Ah, pipitolo, il va faire aussi ça, ça me canne. Tu es obligé que tu pars au Cameroun, tu es obligé de décater, ma. Hein, tu es obligé. Arrête ça, dis donc. Tu es obligé.
Donc on t'a mis quoi? Le sas. Est-ce que tu sais ce qu'on appelle ce sas chez moi? C'est l'herbe, les orties, en bon français. On appelle ça ici les orties. Les orties. Donc c'est une plante là que si tu frottes comme ça, maman, tu vas gratter. Ben quand tu vois aussi ça, ça me calme. On t'a mis les orties dans les fesses. Tu n'as pas honte? Je croyais même que tu allais faire genre, tu nies jusqu'au bout. Tu n'as pas honte? Et tu viens dire devant tout le monde qui te regardait ce jour-là que oh, si je pars au Cameroun, les hommes saisonniers, maman, le nouveau mot de ça. On nous a alors créé le nouveau mot. Les hommes saisonniers de ça. En attendant, tu as un autre amen. Quand tu es arrivé, tu as trouvé que la maison était vide. Rampe, rampe pas avec poum. J'ai tes infos comme tu ne peux même pas imaginer. Sache-le. Moi, je ne suis pas que je crée un faux profil pour venir t'attaquer. Pas de faux profil. Je viens directement face by face. Gawanyao. Gawao. Je viens face by face. Et je te dis que je n'ai pas peur de toi. Et ça ne chauffe pas. Je te dis que toi et moi, le clash là, on va l'amener jusqu'à. On va faire ça, toi et moi. On va sauf que se déshabiller ici devant les Mondial Vision. On va se déshabiller. Tu te vas te déshabiller là-bas. Et moi, quand je lance aussi ici, je me déshabille aussi. C'est de ça qu'il s'agit. Et pas autrement. Et me jonte. C'est ça, nous allons me canne. C'est ça, tu as les orties dans le cul. Tu as les orties dans la chape. Tu ne peux pas aller au Cameroun passer un mois. Il faut qu'on te martèle. Il faut qu'on te binda. Ça gratte. Et tu viens avouer. Il me nia. Tu dis que qui met le coucha sur la tête? Qui met le coucha? Ma. Non, moi, celle-là. Attention, hein. Look out, hein. Look out for you, hein. Look out. Quand même trompette, je ne m'aille pas l'homme de saison. Ça veut dire que jamais pour lui, il ne parle pas à ce repos, il ne parle pas à plus jamais. Vous venez raconter, vous venez gâter l'amitié des deux personnes. C'est mon ami personnel. Et quand il faut que vous ayez trop autour la partie avec. Je vais lire un peu le petit message que cette petite pute là, cette petite chienne du sous-quartier là. Je vais lire un peu la celle là qui. Les petites femmes qui gesticulent là, les moutons qui forment les friperies des filles. Les derniers marchés au marché central. Les putes de bas étage. Les mâts camions. Chérie, c'est 15 euros, 20 euros. Le mari, c'est le baby. C'est l'hôpital qui se fout de la charité. Toi-même, mâts camions. J'étais interdit de travailler pendant combien de temps, pipi? Quand Omar t'amenait souvent, j'étais interdit de travailler pendant combien de temps? Tu veux que je remette le dossier là? Tu veux que je remette le dossier là? Tu veux que tes petites niettes que tu travailles en ce moment là, que je remets ça? Tu veux que on te chasse encore là-bas? Tu veux qu'on te chasse encore là-bas où tu racles tes miettes? C'est ce que tu veux? Quand vous êtes comme ça, que où vous raclez vos petits dos? Tu veux venir faire comme si toi tu es trop. Je suis ma camion, toi-même tu es ma camion. Oh, jusqu'à je connais le camion bleu. Maintenant c'est rampe en personne qui t'amène là-bas. Tu n'as même pas honte. Tu veux parler à qui? Tu veux que je fais qu'on te chasse? Je démarre ma voiture. Demain, je dors à l'hôtel. J'attends lundi quand tout le monde est là. Je fais voler tout le monde en débandade. Tout le monde va fuir. Tu ne sais pas conduire. Tu vas rester dans le camion et je vais entrer là-bas. Oh, tu vas rester dans le camion. Je vais entrer là-bas. T'attraper avec mes mains-ci. Tu veux jouer à ça? C'est ton petit dos, hein? C'est toi qui payes le loyer, hein? Avec un peu, hein? Moi, je ne paye pas de loyer. Tu veux que j'atterrisse? Fais encore fois. J'arrive là-bas avec ma voiture. J'arrive où tu te positionnes. Tout le monde va fuir. Mais toi, tu ne pourras pas fuir. Parce que tu ne sais pas conduire. Je vais te trouver là-bas. Caméra à main. Tante, tu vas me mettre au défi. Tu veux encore que je te chasse là-bas? Pendant quelques jours que tu ne vois plus? Les 20 euros que tu dis là? Tu veux? Look out for me, hein?
Fais attention. Parce qu'on ne crache pas dans la soupe qui te nourrit. On ne crache pas dans une soupe que qui te nourrit. Tu veux que je détende? Tu veux que je descende? Faites ça aux gens de Facebook qui ne nous connaissent pas. Qui ne connaissent pas la vraie réalité. Mais moi, je te dis que je te mets au chômage. Dès lundi, je te mets au chômage, Aurora. Parce que le colossien fait même 5, même 1 an, même 3 ans se laver. Ils ont les corps déjà grossi, les pieds. Quand tu vois les pieds d'un colossien, tu vois que c'est la peau est double en moins 10 en bas, les corps déjà gonflés. Ils partent les récupérer pour 15 euros, 20 euros. Dans le camion, avec les poules, les morpions, fesses. Les cheveux, déjà les où c'est quoi, où c'est comme si c'était le coussou, elle venait sur les cheveux. Leurs bouches sentent mauvais, d'autres n'ont pas les dents. Les dents sont pourries dans la bouche, c'est ça qu'elle pas de baiser, elle vient parler à la fille d'un commissaire. Tu appelles qui les dents pourries? Pardon. Pipi, quand tu es. Ça va pas dans vos têtes. Ouvre ta bouche. Femme de luxe. Pipi, ouvre ta bouche. Tu appelles qui dents pourries? Zéro carie dentaire. Tu appelles qui dents pourries? Vos complexes que vous avez, ne versez pas ça sur les gens. Mouf. Voilà ma bouche. D'accord. Je suis une femme de luxe. Femme. Colgate. J'abois et cristal. J'ai la dignité. Il y a des choses que je ne peux pas faire. Je n'ai jamais trompé mon gars. Ah oui, oui, oui. J'attends toujours vos photos. Hein. Dès que vous avez mes photos, vous avez... parce que la seule photo, là, on connaît déjà ça. Surtout les nouvelles photos. Elle a les fontaines, la chaîne. Elle a. Les maisons truquées. Bon, vous n'avez pas dit un gars est calme. Soutiens-tu va me au Cameroun. Vous êtes tellement mal. Ça vous fait tellement mal comme le même. Vous tapez. Quand vous avez dit, papa, fais-moi la danser le zouk l'autre jour. On va aller. Tout le monde peut faire le feu, mais ça est WhatsApp. Dans son téléphone, c'est qui Lolo Fodja. Pourquoi les captures, c'est qui l'or Lolo Fodja Patricia. Ça veut dire que ce n'est pas une. Ce n'est pas la même personne. La fille du premier commissaire plein de l'océan. Hein, nommé par Ijo. Le premier commissaire président de l'océan Atlantique, nommé par Edjo, mettez bien 46, 12, 46, s'il y avait la tête chez vous, idiot, tu peux aller la voir. Elle vient laisser avec un conseiller, la calabole, on ne respire plus. Il y a la merde, il y a la maison. Vous allez monter les escaliers quand on a fini avec ça. Vous allez nous monter les escaliers. Nous, on monte les escaliers matin, midi, soir. On se couche dans la baignoire, on se lave. Vous voulez nous monter les choses que nous avons vécues. Des parvenus comme ça. Des chiens comme ça. Et ils sont de nulle part, ça vociper, quoi, boire. Un, deux, trois, mof. Saleté. Va te laver. D'autistine. Mof. Tu me donnes les défis. Je te donne les défis. Tu veux les vrais trucs qui me donnent les défis. Pas une canque. Pas une perdue qui vit dans la brousse. Avec les campagnards qui gardent le camion, que le gars là c'est moi une seule direction, camion, maison. Et ça va y a une bonne. Quand tu vois là, une femme qui se fait doiter le clitoris par une autre femme, tu vois pas qu'il y a un problème. Une femme qui veut jouer, qui gagne le mari, tu me fais même tromper mon mari avec un homme. Qu'il allait tromper avec une femme qui le fait même de te baiser, de mettre même sa langue dans ton sang d'ot. Un mec qu'on le doit, tu jouis. Il fallait voir comment elle était. Comme le singe. Deux doigts. Le gradage de ça. Je refuse. Mais hein, tu n'auras pas mon faux commentaire. Hein. Bavardez comme vous voulez là-bas, c'est votre problème. Moi, je ne vous bloque pas. Mais là, je suis star. Les paparazzi, venez commenter. Mettez-vous à l'aise. Il faut qu'on fasse jouer avec le doigt. Hey. Et l'homme à la maison. Les mariages, les campagnes. Avec les bœufs qui étaient les invités. Et les poules et les chèvres. Moi, quand je me marie au château ici à Reims. Un château reçoit Nicole Kétia, bonjour. Hello. Elle ne parle à la fille du commissaire priseur. Hein? Des choses comme ça. Des pisseuses, des saletés. Ma pampesse. Voilà une fille belle comme moi. Quand tu me regardes, tu dis que la femme a fait pour mettre son make-up. Hé, hey, mamie, les gars sont dehors. Papa, faut déjà du travail. Parce qu'il va pas vous attendre de fantasmer sur la fille de quelqu'un. Elle a bien. Je vais vous lire le message là. Tu m'aimes de la peine à lire ça. Mais quand je suis amoureuse de l'amour, je vais lire parce qu'il y a des mots aussi croustillants. Les mots qui donnent envie de baiser. C'est comme une fille
Tu m'as dit, elle est réduite, fille, elle restait les fantasmes sur le gars. Elle avait dit ce qu'elle pense dans son père. Maman, tu connais écrit le français, maman. Les mots d'amour de ça. Attends, elle lit, hein. Les mots d'amour qu'elle a envoyés au gars du pays. Je leur fais, j'ai parti tromper parfois. Maman, si elle est bonne pino, comment on fait comment? On les garde. N'a pas honte. Tu avoues. C'est sauvage comme ça. Je n'ai pas envie de faire la propagande de quelqu'un. Je n'ai pas le nom de personne ici, pardon. Je vais te mettre. Et celui qui va mettre le nom d'une fille sur mon direct sera bloqué. Je vais te mettre. Là, je blague pas. Regarde, non. Tu peux m'insulter comme tu veux. Mais si tu mets le nom de quelqu'un. Tu vas aller au Cameroun au mois de mars, non? Il te faut les dos. Vrai ou faux? Je vais te mettre au chômage. Je vais te mettre au chômage. Tu vas aller au Cameroun, non? Tu vas aller avec quoi? Qui va te faire le litige? Qui va mettre l'argent là-bas pour que tu ailles faire toi ta bonne binda au pays? Je vais te mettre au chômage. Et je vous préviens, toutes les filles de Metz, alerte, alerte, mayday, mayday, c'est moi, Élise Battante, qui parle. Toutes les filles de Metz, toutes les camionneuses du secteur, toutes les camionneuses du secteur, si Pipi arrive là-bas lundi matin, je dis que vous qui êtes cachés, qui êtes en faux profil, que personne n'est au courant de vos vies. Si Pipi arrive là-bas lundi matin, vous m'avez déclaré la guerre. Je vais m'installer chez vous pendant un mois. Plus personne n'aura 5 francs. C'est vous qui faites les réunions. C'est vous qui faites. C'est vous qui faites. Décembre arrive. Beaucoup d'entre vous, vous allez voyager pour le Cameroun. Je vous dis que alerte, alerte. Si Pipi met encore ses pieds dans le camion là-bas, Pipi, demain matin, je démarre le mien. Je démarre le mien, j'assume. Je démarre le mien, j'arrive là-bas. Caméra à main. Tu vas voir. Et je vous dis, vous toutes, je suis sans pitié. Vous toutes qui êtes là-bas, dans ce secteur-là, demandez-lui de rester à la maison pour une semaine, le temps que je me calme. Le temps que je me calme. Le temps que je me calme. Si vous voulez prendre la retraite anticipée, dites, appelez-la déjà. Que ce qu'on a vu, vous êtes plus de 800 personnes à me regarder là. Que la battante a dit que, mamie, pardon, on a nos réunions. On doit partir au pays pour décembre. On doit. Je vous préviens, mais ce n'est pas très loin de moi. Je démarre ici, demain matin. Je mets ma caméra quand je démarre, j'arrive. Et je vous dis que vous allez tous être au chômage. Chômage forcé, obligé. Facebook. C'est ça et pas autrement. Merci, au revoir. Depuis tout à l'heure, tu as beaucoup parlé. On t'a laissé faire et au revoir maintenant. Est-ce que vous entendez? Je n'ai pas de problème avec vous les filles. Je n'ai pas de problème avec vous. Mais moi, je préfère prévenir que la guerre est lancée. Où elle se place là? Pour les 20 euros là. Dites-lui que le chômage risque d'être pour vous toutes. Tout le petit entourage là. Ou tout le secteur là. J'arrive là-bas. Il y a qui nous baille. Démarrer. Vous partez. Soit vous la chassez. Je parle, vous comprenez, non? Soit vous la chassez. Je veux la voir faire des vidéos la semaine prochaine, tous les jours chez elle. C'est comme ça et pas autrement. Je ne discute pas avec vous. Moi, je suis déjà là. Hein. On a déjà tout dit. Je vous dis, je veux voir Pipitologue faire les vidéos chez elle la semaine prochaine, tous les jours chez elle. Tous les jours chez elle. J'arrive. Et je ne vais pas. Seul que son visage va sortir dans la vidéo me porte plainte. On ira au tribunal. Hein? On ira au tribunal. Seul que sa vidéo va sortir
dans la vidéo me porte plainte. On ira au tribunal. Donc je vous avertis, m'aidez, alerte, à toutes les camionneuses de Metz. Chassez-moi pipi. Une semaine, qu'elle revienne après. Je lui donne une semaine au chômage à la maison. Une semaine au chômage à la maison. C'est ça et pas autrement. J'arrive. Moi, je m'en fous, hein. Je m'en fous. Mais vous, je suis pas sûr que vous vous en foutez. Une semaine de chômage. Pipi, tu vas faire des vidéos à la maison. Pendant une semaine, je veux te voir chez toi, assise. Assise. Décembre arrive. Je vais vous mettre tout au chauffage. Chassez-moi, pipi. Chassez, pipi. C'est de ça qu'il s'agit. Chassez-moi, pipi. Regarde-moi celle qui a mis son. Regarde-moi celle-ci qui a mis son. Pardon. Aïe, dégage, bye. Je vous dis, je ne discute pas. Et je sais de quoi je parle. Je sais de quoi je parle. Mon île, tu m'as tout mais passé. Je ne me répète pas. Je vous ai dit que si vous ne voulez pas tout être au chômage, décembre arrive, non? C'est vous qui avez des cassations, les réunions et tout, non? Vous me mettez au défi. Vous me mettez, moi, Élise, au défi. Elle ne sait pas conduire, hein? Donc, quand je vais atterrir là, elle ne pourra aller nulle part. Mais je vais toutes vous balancer, toutes. Vous serez toutes balancées. Je suis mon direct. Chassez-la. Je fais la pub des paparazzi. Je fais la pub des stars. Vous m'appelez des stars de Facebook, je suis contente. Mais si vous mettez le nom des paparazzi, je vous bloque. Je vous bloque. William Carrel, bonsoir, mon William Carrel d'amour. Mon William Carrel qui me soutient partout d'ici Beyoncé. C'est le nom que je vais bloquer. Regardez l'anga. Chouaguez de partout. Alors, je te les mets chez Michel Pepe. Kabeja, j'attendais que tu interviennes dans mon direct. La merci, au revoir. Ça. Je vous dis que je vous attends toujours. Le regard de ça, le make-up de ça. Et la bye. Distance, la carrière. Voilà. Il y a des gens que j'apprends sur ma page ici. En faisant mon truc comme ça. Quand on dit que les blogueurs, les blogueurs vont dans le chat, quand ils sont en train de se dire loulou. Blogueuse de quoi? Ouais. Tu es arrivé à la fête des blogueurs, on ne t'a pas calculé. Tu as failli mourir. On ne t'a pas calculé à la fête des blogueurs. Qui était au courant de toi? Personne n'était au courant de toi. Tu as failli te suicider. Le sabotage était de taille. Qui te connaît? Je suis même sûr qu'on me connaît, moi, Élise, plus que toi. Tu es arrivé à la soirée des blogueurs d'Apuchu. Qui était au courant de toi? Tu étais loin, loin, assise, loin, jusqu'à tu as accusé un Ivoirien d'avoir pété devant toi. Si quelqu'un parle de sujet, il n'y a pas de sujet, il n'y a rien à dire. Il faut créer des petits trucs pour parler de la fille. Une fille qui dort, qui sent bon, qui est belle, qui fait fantasmer les hommes. Une fille qui fait. Mais vous parlez même de quoi? Puis moi, tu avais le choix. Tu as appelé quelqu'un pour qu'il t'accompagne dans tes endroits où tu vis. À partir de 16 ans, il n'y a plus de voiture qui passe en route. Tu es là dans la maison, avec les chèvres qui sont en route. Quoi, où c'est? Quoi, j'entends les cris au Cameroun. Je n'ai jamais entendu le cri du coffre depuis que j'ai habité. Michel Pepga, voilà la tête qui me fait vivre dans les mèches. Une ivrogne, cette pipi. Elle a bu l'arachide du deuil. Quand pipi boit, si vous voulez, chaque homme qui veut profiter de cette femme, si elle garde bien son mari, on va l'arracher. La femme du gars va venir témoigner. Vous venez salir une petite. Un monsieur. Une petite, il faut dire. Ne mange pas la bouche. Il faut dire. Il faut dire. Tu sais que sa femme, c'est une petite fille, non? C'est une petite fille. Tu sais ça, non? Mais pourtant, tu as écarté tes sangs. Tes fesses. Ça, c'est moi, petit Laurent, les dragueuses.
petits qui vont aussi venir chercher, ça va que peut-être dans le loin à goûter, nous on va aller goûter. Papa, tu as déjà vu les jackpots. Voici les gars. Habillé par la billeuse boutique. Et ici là, Lolo, Lolo, Patricia. Jamais de la vie, ces garçons écrit mon nom comme ça, ils sont Facebook. Parce que le mot, le prénom de Patricia, je l'utilise rarement. Le seul pays où on m'a appelé Patricia, c'est en Guinée équatoriale. On m'a toujours appelé Lolo ou Lor. Lolo ou Lor. Lolo, même c'est. Lor, c'est même pour les intimes. Moi, depuis mon enfance, mon nom de Lolo vient de Lor. Donc, c'est un nom que je porte depuis que je suis né et je marche avec Lolo. Dans le nom que j'ai vu là, tu sais que vous voyez ce que la personne a fait. La personne s'est écrit, a écrit mon nom sur son WhatsApp. La personne a volé ma photo sur mon WhatsApp. Et la personne a mis ça sur son WhatsApp. Et la personne s'est écrit en répondant sur notre WhatsApp. J'ai appris, c'est la première fois qu'ils m'ont conversé, mais ils ont fait une grosse erreur. C'est le prénom qu'ils vous avez mis là. Voilà ce qui s'est passé. Parce qu'ils veulent taper le faux pour prendre le vrai. Ils veulent détruire. Papa Fondé et sa femme. Excuse-moi mon amour. Bia, je t'aime. Je souffre quand tu ne me parles pas. C'est grâce à mes copines que j'arrive à t'oublier. Parce qu'elles me donnent les conseils. Tu me fais pleurer, Paul. Je ne suis pas méchant. Je ne manipule pas. Je suis amoureux. Franchement, je t'aime. Je souffre de cet amour. Mais proche de ça, ouf. Laisse-moi. Là, elle veut déjà les atalakou pour elle. Non, bah ça. Mamie, je t'ai dit que. M'aider. Alerte, alerte. À toutes les femmes de Reims. Vous êtes là-bas. Je n'ai pas de problème avec vous. Vous toutes là, je n'ai pas de problème avec vous. Mais j'ai le problème avec une seule personne. Pipitologue. Chassez-la. Commencez déjà à l'appeler. Que vous ne voulez pas passer dans mon Dieu vision. Mettez-la au chômage. Je ne lui donne pas beaucoup, c'est une semaine. Une semaine. Mettez-la au chômage. Sinon, vous toutes, vous allez passer. Appelez-la déjà. Elle est même là. Tout le monde m'écoute là. Mettez-la au chômage. C'est comme ça et pas autrement. J'atterris chez vous. Et je vais venir que vous n'allez même pas vous en rendre compte. Je connais les oreilles de pointe. Que quand c'est que... En bon entendeur. Salut. Mettez-moi là au chômage.